Alors, je suis Natacha Féjose, je suis conseillère énergie et chargée de projet éco-consommation au sein de l'ALEC. Donc l'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. C'est une association qui a été créée en 1998 par les collectivités locales. Notre cœur de métier, c'est informer, conseiller sur les économies d'énergie de manière générale et plus généralement sur la partie logement. L'idée, c'était vraiment de capter l'attention sur comment fabriquer soi-même ses produits ménagers pour ouvrir un peu plus largement sur finalement les actes d'achat au quotidien, comment se poser les bonnes questions, on va dire, au quotidien. De manière générale, c'est se dire bah, tel ou tel produit, quel impact ça va avoir sur l'environnement? Est-ce que c'est un produit qui est local, qui peut être bio? Est-ce que si c'est par exemple des habits, est-ce que ça peut être du seconde main, c'est-à-dire de l'achat pas neuf? C'est un lieu qui est super parce qu'en plus c'est joyeux, ça donne envie de tester, de rencontrer des gens, d'échanger. Et l'idée, c'est pas que nous on apporte la parole, mais bien d'échanger toujours parce qu'on a toujours des personnes qui savent faire plus de choses que nous aussi. Et donc on est vraiment dans l'échange et dans le partage de connaissances et de savoir-faire. En tant qu'association, c'est vrai que c'est vraiment un lieu pour montrer toutes les initiatives citoyennes qu'il y a sur la métropole. Donc c'est vraiment intéressant pour les particuliers qui viennent s'informer et forcément aussi pour nous pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement les accompagner, que ce soit sur les économies d'énergie ou sur leurs actes d'achat quotidiens éventuellement. Ha 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 ha!